ça c'est mon quotidien. En ce moment je me lève tous les matins et je vais là. Et d'ailleurs ça c'est un de nos camions de déménagement. C'est un peu la zone ici, tu sais, la zone industrielle, mais ouais. Il y a un collègue qui m'attend là-bas. Hey, how are you, buddy? Good, how are you? Yeah, I'm good. Oh yeah, I'm just... Did you work? Yesterday? Yeah. Yeah, yesterday, like 10 hours or something. Really? How was it? That's alright, man. Well, two guys and we had to 5 tons on the second biggest truck. That was quite hard. Au volant de d'un Mercedes et on suit Big Daddy et je conduis. Fuck. Bon, comme ça, t'as une idée des maisons que je déménage. Et ouais, massive. Friquer les gens, friquer, friquer. Bon bah aujourd'hui c'est mon premier jour de congé depuis 7 jours d'affilée, ça faisait 7 jours que je travaillais, j'avais vraiment besoin d'un day off et ouais j'en ai parlé au patron, il m'a dit ouais vas-y, c'est vrai que c'est cassant sur la longue, enfin tu portes des trucs hyper lourds toute la journée et hier un gars avec qui je bossais avait compté en fait, c'est comme si on avait marché 15 km en portant une boîte, c'est-à-dire que tu prends chez toi, tu prends un point à 15 km de chez toi et tu marches en le portant et c'était ça hier quoi. Donc bon, ça fait du bien et aujourd'hui je prévois vraiment de me faire un peu plaisir. Là je vais à la poste parce qu'il faudrait que, j'envoie des cartes tout de même parce que je ne l'ai toujours pas fait depuis que je suis en Australie. Donc je vais m'acheter des petites postes, putain il y a des voitures ici, laisse tomber. Faut dire que les gens misent beaucoup sur l'apparence ici, ça se voit dans les maisons que je déménage d'ailleurs. Tu vois que t'as un peu cette culture du montrer mon statut social à travers ce que je possède et il y a plein de gens au final qui ont une super bagnole mais qui vivent pas si bien que ça juste pour montrer qu'ils ont de la thune, tu vois. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs. Ah, ça c'est pour moi là, j'ai plus de dos. Non, c'est fermé? Non. Merde. Bon apparemment je suis en avance, ça ouvre à 9h et
C'est vrai que je me suis levé vraiment tôt ce matin. J'étais fatigué hier, mais je me lève vachement tôt en ce moment et... Bon, on va attendre. Hein. Bon, maintenant, il faut que j'aille m'acheter quelques petits trucs aussi. Genre, il me faut des trucs pour la toilette parce que j'ai plus de savon. Donc, des barres. Et aujourd'hui, je me suis rasé avec le savon pour les mains, tu sais, dans le lavabo. Donc, c'est pas génial, quoi. Maintenant, je vais pouvoir écrire mes petites lettres. Et j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Il faut que... J'aimerais bien lire un peu. Enfin, j'aimerais vraiment profiter, tu vois. Et je vais aussi faire ma vidéo, du coup. Et tu l'as peut-être vu sur Facebook. Encore une fois, si t'y es pas, si t'es pas sur le groupe, il faut vraiment y aller parce que c'est là que quasiment tout se passe maintenant, tu vois. Donc je te mets le lien, enfin t'as le lien dans la description, tu peux t'inscrire, t'as juste à cliquer sur j'aime et tu recevras tous les nouveaux trucs que je poste. Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des trucs, si t'as une intrigue, tu vois, quelque chose qui t'intrigue sur mes vidéos ou sur l'Australie ou sur quoi que ce soit, tu vois, je suis prêt à inclure en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est inclure une section. Dans les JVD, dans les discussions, tu sais, destinées à toutes les questions que tu peux avoir ou si t'aimerais que je parle d'un truc, si t'as un truc que tu voudrais éclaircir, tu vois. Et voilà, bon, on va arriver à l'hôtel là. C'est joli quand même. Alors là, je suis dans un casino. C'est un truc qui est tout près de mon hôtel et dans lequel j'ai jamais été. Mais attends, je suis dégueulasse. Hein. Je viens de manger un muffin. C'est un truc qui est tout près de mon hôtel et dans lequel j'ai jamais été. Ça s'appelle Crown. C'est une chaîne de casino. Et malheureusement, je peux pas filmer. Enfin, je pense pas que je peux filmer tous les mecs qui jouent comme ça. Mais c'est vraiment délirant. C'est un peu le même style que, tu sais, l'air de jeu que je t'avais montré ou le truc pour les gamins avec tous les jeux où tu gagnes des tickets et tout. J'avais mis ça dans une de mes vidéos en Australie. Je crois que c'était autour du JDB 12 ou 11, quelque chose comme ça. Mais c'est pareil. Mais là, ils misent mais de l'argent, tu vois, et t'as gavé de gens, des vieux, des vieilles et tout, qui tapent comme ça sur leur machine. C'est un monde à part, complètement délirant, quoi. Et là, je vais essayer de rentrer derrière, mais le mec me regarde. Donc je sais pas si je vais réussir à rentrer, on verra bien. Je vais vraiment essayer de te montrer des images, mais c'est hallucinant. Allez, on y va. Merde, tout ça, c'est des dollars australiens. C'est pas délirant. Il est de retour. Der ist auch schon rum. Okay, warte mal, ich habe ihn jetzt mal ausgemacht. Wo ist es? Fenster aufmachen. Franzi, you know Egon? Can you speak English, Franzi? There was just for a few seconds, then I will go upstairs. There was a friend of mine. What's Egon? What's her name? It's Franzi. She's at the moment she's in England and she's studying English. Okay.